Salut à tous. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog. Il est, je regarde bien sur mon ordi, 20h18, c'est le soir, je suis pas maquillée, je suis moche, avec ma sœur. On va, comme d'habitude, improviser un vlog. On va essayer de faire un peu de détente aujourd'hui parce qu'on est clairement fatigué, voilà. Et j'essaie de démarrer la musique sur Spotify, mais je crois que ça va pas marcher en fait. Ça, on est fatigué parce qu'on était allé à la piscine. Ouais, voilà. Parce que moi, avec mes épreuves de bac, j'ai pas le temps de récupérer. Hier, je me suis couchée à 1h du matin, donc ça aide pas trop non plus. Ouais, donc ce que vous entendez, c'est mon ordi qui fait n'importe quoi. Alors, faites pas gaffe à l'état de ma tête ni l'état de ma chambre. C'est une couverture que vous voyez là-haut, là, le truc jaune. Voilà. Donc, oui, j'y ai pensé. Faut pas se poser trop de questions, c'est un peu le bordel. Donc j'espère que vous allez bien avec tout ça. Alors je suis désolée si je donne des nouvelles un peu en vrac en ce moment. Je reçois quelques messages de certains d'entre vous sur Twitter ou autre. Donc ceux qui ne le font pas, vous pouvez, en sachant que si je suis occupée, des fois je ne réponds pas, mais j'essaie de répondre au plus vite, voilà. Ensuite, il y a un petit truc, c'est que j'ai un gros projet, j'ai fait dire ce que c'était en plus. Que je garde secret pour l'instant et j'essaierai de vous faire un vlog. Donc ce projet, je le concrétise vraiment le 23, c'est-à-dire le jeudi, 2 jours après la fin de mes épreuves. Donc Je sais. Oui, mais toi tu t'es, parce que toi tu sais mais pas eux, donc ah oui, oui. Et du coup voilà, donc n'essayez pas de me soutirer des informations, je ne dirai rien. Et voilà. Mais dans tous les cas, j'essaierai de faire un petit vlog pour essayer de vous montrer comment ça se passe. Et je vous montrerai les pseudo-résultats, voilà. Arrête de rire, c'est pas drôle. Oui, oui. J'essaie juste de pas en dire trop parce que sinon après je vais être grillée, je parle toujours trop donc... Allez, j'ai redémarré mon ordi. Enfin, du coup, on voit plus ma sœur, mais on voit pas mon ordi non plus, il est là en fait, il est par terre. Voilà. J'attends que ça redémarre et on va peut-être commencer. D'ailleurs, toi, tu devrais peut-être te mettre en place, chouchou. En quoi ? En place. Vas-y, va te mettre là-bas. Échauffe-toi un peu et tout, okay. Comme d'habitude. Comme ça, moi, je prends de l'avance et j'installe la musique pendant ce temps-là. Alors, je vais vous caler comme ça. On la voit qui fait la folle derrière. On voit qu'elle prend les échauffements très au sérieux. N'est-ce pas ? Elle a un bon professeur, c'est pour ça. Oui, AR, c'est une bonne idée. Non, c'est aussi pour les étirements, hein. Ouais, attends, pousse la fenêtre parce que comme je suis intelligente, je suis capable de me taper dedans. Et c'est quoi cette pointe de pied qui part en... cacahuète. En vrai, il l'a regardé. Bon, il y a le contre-jour, mais sa pointe de pied est pas bien. Mais ça fait 30 ans là que je dis à Spotify de s'allumer. Oh, par coco. Et je ne suis pas en train de faire un placement de produit pour Spotify, pas du tout. Je précise avant que... les commentaires tombent. Non, non, du tout. C'est juste que ça fait des mois que j'écoute la musique là-dessus. Voilà. Parce qu'il y a des musiques cool et comme j'ai la flemme de les télécharger, je les regarde là-dessus. Allez. Laisse ouvert, hein, laisse ouvert. Oui, oui. Gagné. Gagné. C'est gagné. En fait, c'est trop drôle parce que depuis le lit, on voit juste tes gambettes. C'est marrant. Marrant, même. Ha, ha. Ha. Ha, ha, ha. Bon, ah non, mais vraiment, il veut pas s'allumer, c'est un truc de ouf. Minute qu'on parle et qu'on sert à rien, en fait. Bon, allez, on est parti, on va se mettre par là. Ah oui, je voulais aussi vous signifier que ceci est pour cacher le gros bazar dessous. Voilà, je cache ma miséritude sous les draps. Non, c'est pas des draps, c'est des pannes. Et je suis en mode pyjama, je suis restée comme ça toute la journée, donc ne m'en voulez pas pour ma tenue moche. Alors comment on va faire? On va se mettre sur le même tapis. Tain, j'ai cru que c'était maman qui les a... J'ai trop peur, ça s'est mis à gueuler, j'ai cru que c'était notre mère qui nous appelait. Enfin bref. Belle Mais réputation. Moi j'ai cru qu'elle avait fait une crise cardiaque. N'importe quoi. Oh. Oui, j'ai fait une crise cardiaque. Tu sais, quand tu fais une crise cardiaque, t'es pas en état de parler. Hein. Allez, on va s'échauffer doucement. Non, mais moi, je force pas du tout.
Le petit papillon. Mais tu peux pas te décaler pour éviter qu'on soit collé là. Ok. Vas-y. Il fait pas froid en plus, on a besoin d'être collé. Faire des petits battements. Fais battre les ailes. Papillon de course. Ok, mais c'est pas vraiment de détente, hein. C'est mis fort, hein. Mais c'est pas parce que c'est fort que c'est pas détente, hein. Moi, ça me booste pas, hein. Ce genre de musique, ça m'endort, alors. C'est pour ça que j'ai mis ça. Moi, ça m'excite. Et on referme les ailes. Mais toi, t'es excité pour rien du tout. On va essayer de rapprocher les pieds et pencher légèrement en avant. Enfin, légèrement, le plus possible, en fait. Je vais rapprocher les pieds, parce qu'en fait, plus on va rapprocher les pieds, plus ce sera facile de pencher en avant. C'est quand même relativement logique, en fait. Après, on prend, hop, ici, et on referme doucement, histoire de ne pas faire d'électrochoc au niveau des hanches, des adducteurs, etc. Ensuite, on va se mettre sur le côté, parce que sinon, on va avoir nos fesses premier plan, ça va pas être classe. On va faire le pont, la charrue. Ah oui, la charrue. Moi, de toute façon, on voit mes fesses dans tous les cas, c'est pas grave. Je suis dans la chaise, là. Le mieux quand tu fais ça, c'est d'être sur le lit, c'est genre trop cool. Attends, on est vraiment trop naze là aujourd'hui, c'est horrible. Ouah, ah moi je t'écrase hein, c'est en dessous. Ouais, bah t'es pas mon vermisseau en tout cas. Ah bah ça va hein. Et on déroule doucement, sauf que je me suis cassé la figure en fait. Balance-moi. Ah mon dieu. Et après on reste comme ça. Reste comme ça, reste comme ça. Prends les genoux et roule un peu légèrement. Oula. Essaye de faire basculer d'un côté de l'autre. Mais doucement Clara. Et tiens, pose tes coudes comme ça, tu te retiens, tu tombes pas comme un caca. On refait? On repart en arrière? Oui. Prête? Bien sûr, oui. Je regarde si ça filme encore, hein, si on s'est jamais. Oh la vache. Moi, je vais attraper mes pieds parce que j'y arrive pas. Ah, et après, on monte. Chandelle. Les articulations du genou. Si on peut, on se tient plus là. Faut essayer de se maintenir. J'ai un peu du mal aussi, mais bon. On repose. Ah, mon dieu. Et après, on se met comme ça. Là, on va essayer. Du coup, on ne voit plus. Attends, je me décale un peu. On peut essayer avec les bras un peu de les relâcher. Et aussi les bras. Avec les relâcher, c'est ça. Non, le but, c'est pas de casser les bras, hein, c'est juste de relâcher les... Et après, on va prendre comme ça et on étire. C'est juste... Ça fait du bien. On va vraiment s'endormir à la fin.
Hop, on remonte la tête. On remonte par la tête. C'est le dos aussi que tu rentres en fait. Tu pars par là. Tu vas faire la tête. Doucement. Et si ça craque, c'est normal, tu vois ça. Moi, ça craque tout le temps. Ah oui, moi aussi. Hein. Tu fais la grenouille, toi. C'est faire la grenouille. La grenouille. C'est comme ça. C'est le papillon, mais à l'envers. Ah oui, c'est des drôles marins. Coco. On va se mettre comme ça. Ok. Comme ça, on nous voit toutes les deux. En fait, le but, c'est de te mettre comme ça et que tes pieds... Enfin, en fait, se faut... touche avec les déjà, il faut rentrer les fesses, tu vois, pour que ton bassin, il touche le sol. Et ensuite, tu laisses tes pieds pendre. Et après, tu mets ta tête sur ton front. Faut tout relâcher. On filme, c'est pour ça. On fait un moment détente. On va rentrer dans la chambre du jour, les gars. Ça repousse. Doucement, 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 doucement. C'est vachement doucement. Essaye de sentir genre les vertèbres qui se décoincent et tout. On baisse. Ouais, voilà. Il y a que les coudes qui remontent bien. On refait. Prête. T'as déjà fait les petites pompes en grenouille ou pas? Les pompes. Les pompes, t'as déjà fait ou pas? Non. Ouais. On va en faire deux parce qu'elles font trop mal. Elles font trop mal. Et tu te mets comme ça en grenouille, t'as les bras ici. Essaye. Comme tout à l'heure, t'as juste les bras ici, au même endroit. Et ça fait un trail avec les bras. Alors tu vas te relever, mais faut que tu sois gainé, faut pas que tu cambres. Faut que ton dos il soit droit. Droit, droit, droit. Attends. Voilà. Serre les abdos. Serre le ventre, serre les fesses. Tu serres tout en gros. Même moi, de toute façon, j'ai tendance à quand même. Ils sont levés, pardon. Ouais, bah après, si elle les pose, je sais pas. Normalement, tu dois pas, mais. Et là, tu plies vers l'intérieur. Voilà, comme ça. Et tu remontes. C'est bon pour les fesses, ça. Oh, c'est là, quand t'entends, maman. Maman, t'es très raffinée. C'est pas grave, c'est bon. T'es voilà, raffinée. Là. Comme ça. Je comprends. Ils ont l'habitude, t'inquiète. Hein. Et on repose après, ça y est, l'autre elle est morte là, on l'a perdu, on a perdu la famille là. Alors, on fait comment? Ah oui, on fait comme ça. Allez, maintenant on va décoincer un peu le dos, ouais, comme ça. La balance, il est où mon pied? Moi je fais les petits ronds. Tu arrives ou tu veux que je vienne te pousser? Allez, vas-y, 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 je vais t'aider. On va faire doucement, ok? Voilà. Moi, j'arrive pas à me tenir. Vas-y, repose doucement. Mais. Heureusement que j'étais là pour te soutenir quand même. Comment oses-tu? Allez, mais du coup, on faisait quand on faisait ça? Maman, elle se fait virer, la pauvre. Ah, attends, pauvre. Du coup, on faisait ça. Maintenant, je te propose de revenir comme on était tout à l'heure, comme ça. On
a tout étiré, je crois, sauf les épaules. Enfin. Les épaules, je te fais comme ça. Non, mais en plus, c'est plus ou moins ce qu'on va faire. Allez. On va se mettre. En plus, c'est un contre-jour magnifique ici. Magnifique. Ouais. Essaie de te mettre à côté de moi, frère. Voilà, on va essayer de faire les épaules. On va. Comment on peut faire doucement les épaules? Alors, je me recule parce que j'ai des bras trop grands. Ils vont m'apporter. Tu fais comme ça? Moi, je vais faire ça déjà. Ouais, elle a pris ça, ouais. Ça, je sais pas si t'as déjà fait, Clara, mais normalement, alors, tu sens l'articulation du bras en entier qui se tire. Et qui craque aussi. Ça, c'est mes bras après toi, je sais pas. On peut faire ça aussi. Ça craque un peu, non? Maman est virée. Ben non. Ouais, on va envoyer devant. Non, pas aussi haut. T'envoies devant, puis derrière. Bon, avec les mains, tu t'en fous. Non, mais je te demande pas de faire du nettoyage de coucher, hein. Sur toute la poussière. Et après, tu peux envoyer comme ça aussi, vers l'extérieur. Comme si tu voulais que tes mains se tapent. Comme... Ouais, on va essayer de pas se mettre... Ah oui, mais des fois, je fais comme ça. Oui, moi aussi. On va essayer de pas se mettre des claques, ce serait bien. Allez, stop. Maintenant, on va faire comme elle a dit, maman. On va faire comme ça. Mmh. Comme ce que j'avais fait avant, en fait. Ah, ça va, hein. Oh là là. Et vous faites genre vous avez plus de cou, genre vous levez tellement les épaules qu'on voit plus le cou. Ah, regarde. Ah, salut. Ah ouais, vas-y, fais-le. On dirait deux pingouins sans cou. C'est énorme. La découverte. Des plus grands spécialistes de France. En fait, on dirait qu'on est dessiné comme des petits enfants, on n'a pas de cou. En fait, les petits, ils font sans cou. En fait, avant... Ouais, c'est vrai, elle a raison. Avant, je dessinais comme ça. Moi, j'ai jamais su dessiner. Moi, j'ai su dessiner, je faisais plein de traits partout. Après, il y a un truc que je faisais en sport pour m'échauffer, c'est ça. Tu fais comme si tu ramais, mais avec les bras, comme ça. Comme ça. Clara, arrête un peu. Je croyais que tu faisais le moulin avant. Mais non, comme ça. Alors, tu pars de là. Ouais, tu fais dans le sens que tu veux en soi, mais c'est juste... Hop. On adore la lumière, là. Ouf. C'est beau, hein. Alors, donc sur ce, en plus ça fait plus grande que moi, ça va pas du tout ça. On va se redresser, hein, parce que j'aime pas être une naine. Alors, cette lumière est détestable. Alors, ce vlog détente est terminé. Elle se moque de moi en plus. Bon, c'est un peu parti en live et ma soeur est en train de se tuer contre le bureau. Hop, on la laisse. Bien sûr que oui, voilà. Je me suis toujours... On espère qu'il vous a plu, toujours au naturel, vous l'avez vu, hein, ma tête. Toujours au naturel. Avec maman, enfin, qui a fait une petite apparition tout à l'heure. Naturel et avec une lapin. Mais chut, j'ai jamais réussi à faire ma fin, là. Donc, je vous tiens au courant pour mes épreuves, etc. Et pour ceux qui n'arrêtent pas de me demander un message privé, regardez mes posts et à chaque fois je le dis à quelle épreuve j'en suis, qu'est-ce que j'ai passé, etc. Donc, sur ce, on va vous laisser. Clara va se coucher et moi. Non! Bonne d'accord. Nuit! D'accord! Moi je vais réviser pour mon épreuve de demain, je vais faire le montage et je vous tiens au courant pour les projets futurs qu'il y aura. Et on vous laisse! Hey.